Ne buvez pas ceci pendant la journée, car c'est la nuit qu'il sèche votre ventre comme une liposuction. Perdez du poids rapidement avec ceci. Voici le moyen d'obtenir son poids idéal très vite. Une astuce simple, mais très performante. Vous allez très vite savoir pourquoi. Mais avant de rentrer plus profondément dans les détails, si vous êtes intéressé par les sujets de santé, les remèdes maison, abonnez-vous ici. Pensez à la clochette de notification pour être au parfum de tout ce que nous publions sur YouTube. Perdre du poids n'est pas une tâche facile, ceci même avec beaucoup de persévérance et de dévouement. Cependant, beaucoup de personnes aimeraient bien perdre ces kilos sans effort. Il se peut que la forme la plus simple de le faire soit en dormant, aussi simplement que cela. Bien sûr, il y a un aspect important que vous devriez suivre si vous voulez perdre du poids pendant votre sommeil. C'est pour cette raison qu'avant de consommer cette boisson pour avoir un ventre plat, fondre la graisse, vous devez suivre les conseils que je vais vous prodiguer avant. Ça va être optimal pour accélérer immédiatement le processus de fonte. Je vous invite donc à regarder la vidéo complète pour ne pas rater le moindre détail. Et bien sûr, comme d'habitude, à la fin, je vous réserve une surprise qui va encore plus vous faire plaisir. Mais avant de commencer, je vais vous demander combien de kilos est-ce que vous pesez, combien est-ce que vous souhaitez perdre et en combien de temps est-ce que vous souhaitez faire cela. N'hésitez pas dans les commentaires, mes amours. Pensez aussi à mettre votre nom pour que je puisse spécialement vous dire bonjour. J'attends vos réponses dans les commentaires. Sans plus tarder, nous commençons. Avant de passer à la préparation, suivez ces trois étapes. En numéro 1, sans exercice, rien ne fonctionne. Si vous voulez perdre du poids, vous devez travailler au moins une demi-heure chaque jour. L'exercice aide non seulement à brûler les calories, garde aussi la bonne humeur, améliore la circulation et vous aide à avoir un sommeil tranquille. Au plus tard, 2 heures avant de se coucher. Ces 30 minutes d'exercice vous aideront à continuer à brûler les calories dans la nuit. Car après l'exercice, en buvant cette boisson avant de dormir, ton métabolisme travaillera 2 fois plus vite et tu draineras plus rapidement de la graisse, ce qui permettra de t'affiner et de t'assécher rapidement. En numéro 2, un dîner très léger avec un petit peu de sel, pas après 18 heures. Quand nous mangeons des aliments un petit peu salés, nous faisons moins de rétention d'eau la nuit, c'est tout aussi simple que cela. En numéro 3, de l'eau froide. C'est un conseil de prendre un bain chaud pour se détendre avant d'aller au lit. Cependant, pour ce régime, vous devriez faire le contraire. Je m'explique. Pour perdre du poids, commencez par une douche chaude, comme on l'a dit plus haut. Mais avant de terminer la douche chaude, transformez cette eau en eau froide. Pendant 30 secondes, restez sous cette eau froide. Cela activera les graisses au point de vous pousser à perdre 400 calories supplémentaires pendant la nuit. Avant de continuer, s'il vous plaît, partagez ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Ce sont des techniques très simples mais très utiles. Donc, passons à la recette de la boisson brûle-graisse pour assécher le corps. Pour cela, tu auras besoin de ce qui suit. Un concombre pelé, haché ou même tranché, une demi-tasse de persil, le jus d'un citron et une cuillère de gingembre. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur et écrasez jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Je vais vous donner quelques recettes supplémentaires et même complémentaires à prendre qui sont également très bonnes à utiliser dans la nuit avant d'aller dormir. Comme cela, vous n'aurez que l'embarras du choix. Je vais également vous dire comment les prendre et pour combien de temps. Les thés pour perdre du poids sont connus pour accélérer le métabolisme et devraient être évités avant de dormir car ils nuisent à la qualité du sommeil. Pour perdre du poids en dormant, l'idéal est de choisir ceux qui aident dans la digestion et contrôlent l'appétit et même permettent d'avoir un bon sommeil. Par exemple, l'anis. Cela peut être une bonne option car cela désinfecte et améliore la digestion. Mais aussi le thé à la camomille. En plus d'être un calmant, ça a aussi des propriétés antioxydantes qui débarrassent le corps des impuretés et sont des anti-inflammatoires qui aident à diminuer la concentration en graisse sur certaines parties du corps. Vous trouvez facilement ceci dans les supermarchés, les magasins spécialisés en produits naturels. Donc, peuvent être bouillis pendant 5 minutes et consommés tout de suite. En numéro 3, je vous propose le thé à la cannelle avec du miel pour maigrir pendant le sommeil. Prenez une demi-cuillère de café de cannelle, saupoudrez avec une cuillère à café de miel. Ceci est optimal pour perdre du poids, il est riche en fibres et cela favorise la satiété et la régulation de l'intestin. En plus de contenir de nombreux antioxydants, le miel peut être utilisé comme édulcorant. Aussi,
a des propriétés qui aident en cas de mauvaise digestion. Donc, vous devez cuire la cannelle pendant 30 minutes, éteindre le feu, laisser refroidir. Ajouter du miel et mettre le mélange au réfrigérateur. Les thés naturels sont une excellente option car, en plus d'améliorer la perte du poids, apportent divers avantages pour la santé. Ils aident à se protéger de plusieurs maladies assez courantes. L'idéal est la consommation du thé tous les jours en journée avant de dormir. Prenez au moins une tasse. Par contre, la préparation au concombre que j'ai fait tout au début de la vidéo doit être prise le soir avant d'aller dormir. Donc, faites ceci pendant 2 semaines et rappelez-vous, vous devriez toujours boire beaucoup d'eau, au moins 8 verres par jour. Si vous avez regardé, jugez cette vidéo utile, alors partagez sur les réseaux sociaux. Que cela aide toutes les personnes en détresse et dans le besoin. Je vous remercie d'avoir regardé ceci jusqu'au bout. Prenez soin de vous et d'ici là, sachez que je vous porte dans mon cœur. Pensez à vous abonner, liker et commenter. Bisous, bisous!